Les accords collectifs, qu'est-ce que c'est ? Les accords collectifs sont des documents qui matérialisent par écrit les garanties de protection sociale conclues au sein d'une entreprise. Un accord collectif peut être issu des négociations entre l'employeur et les salariés ou découler d'une convention collective. Les accords collectifs ne peuvent exister et être mis en place uniquement dans les entreprises de plus de 50 employés. Ils doivent comporter un préambule, la présentation des négociateurs présents lors des échanges, les dates des échanges, la nature des informations partagées pour les négociations, les garanties sociales décidées et les modalités de mise en œuvre de ces garanties de protection sociale. Qui négocie un accord collectif ? La négociation d'un accord collectif se fait entre l'employeur et les salariés. Ces derniers peuvent y participer s'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'entreprise. Sinon, ce sont les représentants des organisations, les délégués syndicaux ou les représentants de sections syndicales qui prennent part à la négociation. Quelle est la différence entre un accord collectif et une convention collective ? La convention collective est un document qui traite de l'ensemble des sujets relatifs à l'emploi dans une branche ou un secteur professionnel, c'est-à-dire les conditions d'emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle et les garanties sociales. Un accord collectif, au contraire, n'est conclu que sur un thème en particulier. Il ne couvre donc pas tous les aspects de la relation de travail entre l'employeur et les salariés.